Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de travailler en tant qu'expatrié géomètre. Je m'appelle Cédric, je suis ingénieur géomètre en France et je suis actuellement en mission en Afrique du Sud à la centrale nucléaire de Kouba. Cette expérience m'a permis de repousser mes limites et de découvrir de nouvelles opportunités. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Avantages. Travailler en tant qu'expatrié géomètre vous offre la chance de découvrir de nouvelles cultures. En vivant et en travaillant dans un pays étranger, comme je le fais actuellement en Afrique du Sud, vous êtes exposé à de nouvelles traditions, à une cuisine différente et à des modes de vie uniques. C'est une occasion incroyable d'élargir vos horizons et de vous ouvrir à de nouvelles expériences. En tant qu'expatrié, vous avez la possibilité de développer vos compétences professionnelles, vous confronter à des défis uniques, telles que la mise en place de références de mesures dans un environnement exigeant, comme lors de mes missions de mesures dans la centrale nucléaire de Kouba. Cela vous permet de perfectionner vos compétences techniques et de devenir un expert dans votre domaine. Travailler en tant qu'expatrié peut vous ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. Vous avez la possibilité de travailler sur des projets d'envergure internationale, d'acquérir une expérience précieuse et de vous démarquer sur le marché du travail. Les employeurs apprécient les compétences acquises en travaillant à l'étranger, ce qui peut vous offrir de nouvelles opportunités professionnelles à l'avenir. L'un des avantages attractifs d'être un expatrié sont les avantages financiers. En plus de votre salaire de base, vous pouvez bénéficier de primes spécifiques liées à votre statut d'expatrié, de sursalaire ou d'autres avantages financiers tels que les impôts. Cela peut contribuer à améliorer votre situation financière et à réaliser vos projets futurs. Inconvénient d'être un expatrié. Travailler en tant qu'expatrié nécessite une période d'adaptation à un nouvel environnement. Vous devez vous familiariser avec les coutumes locales, la langue, la culture et parfois les différences dans les pratiques professionnelles. Cela peut être un défi, mais avec une attitude et une volonté d'apprendre, vous pouvez surmonter ces difficultés. L'un des inconvénients d'être un expatrié est l'éloignement familial. Eh oui, être loin de sa famille et de ses amis, de ses proches, peut être parfois difficile sur le plan émotionnel. Cependant, avec les avancées technologiques, il est plus facile de rester en contact grâce aux appels vidéo, aux réseaux sociaux. En travaillant à l'étranger, vous devez vous adapter aux nouvelles réglementations et aux normes professionnelles spécifiques au pays dans lequel vous vous trouvez. Cela peut nécessiter une mise à jour de vos connaissances et une compréhension approfondie des exigences locales. Une fois que vous avez maîtrisé ces éléments, vous pouvez travailler efficacement dans votre nouvel environnement. Voilà donc un aperçu des avantages et des inconvénients de travailler en tant qu'expatrié géomètre. Si vous avez des expériences à partager ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.